Me voilà arrivée à Bangkok. C'est parti pour quelques jours ici. Bon, ça fait une heure que je suis arrivée à l'aéroport. Enfin, que j'ai quitté l'aéroport. Trois choses à dire. La première, c'est que je me suis pris une vague d'occidentaux dans la gueule. J'étais clairement pas prête. Ça m'a fait très bizarre. Ensuite, je me suis fait une copine dans le bus. Et pour terminer, je me suis pris une vague d'odeur dans le nez, j'ai faim. À peine arrivée, déjà repartie, un smoothie en main à 80 centimes. Et je rejoins Malika que j'ai rencontrée dans le bus pour faire une petite sortie en bateau. Et du coup, le bateau, le principe, c'est que c'est comme un métro. C'est un bateau métro qui s'arrête à plein de stations. Et comme ça, ça te permet de voir aussi la ville d'un autre point de vue. Donc c'est super chouette. Du matin. Bangkok est calme. C'est parti pour la première journée entière à Bangkok. Hier, du coup, j'ai rencontré un gars. On est allé au Khao San Road, voir un peu les bars et tout ça. On a mangé un bout, c'était cool. Et là, je rejoins du coup Malika que j'ai rencontré dans le bus et Johan, du coup, de son prénom. Et on va aller au marché tous les trois. J'avoue que Bangkok, ça a été un peu un choc hier. Entre le monde qu'il y a, le nombre de touristes qu'il y a surtout. Là, ça faisait quand même 3 mois et demi que j'étais en hors saison et que je croisais pratiquement aucun touriste. À Taïwan, où la vie est hyper calme, et là, je me suis pris une vague et de touristes et de bruit. Vous connaissez l'idiote du village qui a acheté une carte SIM alors que sa carte SIM française internationale marche en Thaïlande? C'est nickel. J'adore dépenser mon argent inutilement. J'ai retrouvé mes deux acolytes du jour et nous allons au marché de Putain, je retiens pas Chatuchak. 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 Direction maintenant le marché sur l'eau. Je vous présente un jackfruit. J'ai goûté hier, j'aime pas du tout. Petite vue du rooftop de l'hôtel de Malika avec la petite piscine qui va bien. On vient de faire un petit plouf. C'était parfait pour finir cette journée. Et maintenant, direction le bar. Deuxième jour à Bangkok, je suis en roue libre. Hier, nous avons festoyé avec les copains et là du coup ce matin on a fait tranquille et cet après-midi on se fait tranquille aussi parce qu'on retourne à la piscine de Malika et après on va se faire masser. Si c'est pas grand luxe tout ça, je n'en reviens pas. Bon, du coup je visite pas trop, mais bon, les copains ils partent demain donc je me dis je profite avec eux aujourd'hui, ce qui est un exploit pour moi parce que j'ai un peu l'impression de perdre du temps entre guillemets sur le fait que je dois visiter des choses, mais en même temps les rencontres font partie du voyage donc il faut savoir profiter des gens quand ils sont là. Après avoir bien profité hier, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de se mettre dans le tourisme. Aujourd'hui je vais aller visiter, je pense, le Grand Palais. C'est parti pour faire tous ces points.
Eh ben, c'était incroyablement beau, sans surprise, très contente. Et maintenant, je m'en vais au Bouddha Luché. Et après, normalement, avec le ticket du Grand Palace, je peux aller voir un spectacle de danse, de danse thaï. Maintenant, direction le Bouddha Couché. Alors là, l'activité, c'est de coller des petites paillettes d'or. J'imaginais pas du tout que c'était aussi grand. Je vous présente les dessous de pied de Bouddha. Je vous présente le pêcheur de pièces avec une petite cuillère au bout. Et hop, il ramène la monnaie. Vous savez pas le bonheur que je ressens à manger des fruits tous les jours. Et puis c'est pas cher. Incroyable. Genre là, une mangue, 1,10€. Précoupée, machin. Non mais oh, le rêve. C'est parti pour le spectacle. Je dois vous dire que les omelettes thaïlandaises, c'est le meilleur truc qui existe au monde. Bienvenue maintenant à Wat Arun. Wat Arun. Wat Arun. C'est photoshoot dans tous les sens. Regardons partout. Photoshoot, 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 photoshoot. Je viens de récupérer ma première lessive de riche pour 2€, laver, repasser, sans bon. Incroyable. Demain, je pars pour faire quelques jours, pour faire 10 jours. Dans un centre de méditation bouddhiste, du coup. C'est en workaway, donc je vais travailler avec eux. Mais donc ça devrait être très sympa, j'ai hâte. Et je suis enfin contente d'arriver à voir quelque chose, parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai contacté des assos. Au début, je voulais bosser dans un orphelinat en Thaïlande. Donc j'ai contacté plein d'orphelinats, il n'y a personne qui... qui répondaient favorablement parce que il y a le Covid, donc ils refusaient tous. Après, je regardais pour bosser avec les animaux, mais franchement, ils en profitent à fond, c'est du marketing plein pot. Pour bosser une semaine dans un sanctuaire avec des éléphants, donc déjà, il faut trouver un sanctuaire correct. Avec des éléphants, c'est genre 1000 balles la semaine. Je veux bien payer pour travailler, ça me dérange pas, mais alors payer 1000 balles la semaine, c'est quand même... Bon voilà, c'est le truc touristique, hein. Je comprends qu'il doit y avoir tellement de demandes qu'ils en profitent et il y aura toujours des gens pour payer, donc ils le font. Mais pas moi. Donc du coup, au final, par accident, j'ai trouvé ce centre de méditation et donc j'y vais. C'est juste à côté de Bangkok, donc très pratique. Et ça sera pendant 10 jours. Ah oui, si, et hier j'ai fait mon premier massage thaï. Incroyable. Je veux que des massages thaï dans ma vie maintenant. Et voilà, c'était vraiment chouette. Je me suis acheté aussi plusieurs pantalons larges, comme il y a en Thaïlande, parce que donc du coup pour le... Moi j'ai que des slims et des leggings. T'as pas le droit de rentrer dans les temples en vêtements moulants. Alors je sais que si on y va juste la journée en tant que touriste, ils sont assez souples. Mais là, moi, je vais y rester plusieurs jours et il faut faire les choses correctement, quoi. Puis même, honnêtement, en slim, avec la chaleur, c'est impossible. Donc je me suis refait une petite garde-robe de pantalon. Dernière matinée à Bangkok avant de partir au centre de méditation. Je pars en mission crème solaire.
Et après, je serai enfin prête pour partir au centre de méditation. Vous voyez, c'est là que je vois que je m'améliore. Parce que là, ça fait une heure que je cours avec mes sacs partout dans l'aéroport. Parce que j'utilise des applications comme Uber ici. Sauf qu'il y a 4 étages et que j'ai commandé un premier taxi qui me disait bien au 4e, je suis montée au 4e, après il n'était pas là, du coup il a annulé la course. Après j'ai commandé un deuxième qui m'a dit bien au 1er, je descends au 1er. Finalement il n'est pas là, donc j'annule la course au bout de 15 minutes. Après je pensais avoir trouvé le bon taxi parce que j'arrive, on s'envoyait des messages avec le conducteur. J'arrive au bon endroit, il y en a un qui me fait des grands signes, donc je me dis, bah, c'est lui, je rentre dans son taxi, on fait 100 mètres, et puis je me rends compte que c'est pas lui du tout. Du coup, je redescends du taxi. Là, j'ai repris un nouveau taxi, que j'attends depuis 10 minutes. Mais je reste détendue, j'ai juste hyper chaud, comme ça peut se lire sur mon visage. Mais ça va. Mais il y a encore 6 mois de ça, je pense que j'aurais pété un plomb, je me serais énervée toute seule là, pour rien. Et là, je me dis, bon, faut juste attendre.